circuit fermé disputé à Dakhla au titre de la dernière étape du challenge international de la marche verte de cyclisme. Le récit est signé Chouka Elaoui. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le challenge international de la marche verte a pris fin aujourd'hui. Une compétition inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale. L'étape d'aujourd'hui a été remportée par Saadoun qui a parcouru les 70 km du circuit en 1h25, suivi de Soufiane Haddi et Mohamed Moumen. C'est la première fois que je viens dans cette ville de Dakhla, je ne l'ai jamais vue et je suis vraiment ébahi par la beauté de cette région et de cette ville. Le public de Dakhla a été aussi à la hauteur, il nous a bien accueillis. Nous sommes vraiment fiers d'organiser des compétitions cyclistes comme celle-là, d'abord dans les provinces du Sud et également dans tout le royaume. Et avec des compétitions comme celle-là, on a pu démontrer que notre équipe nationale était une équipe d'un très bon niveau. Les participants à ce tournoi, décliné en deux étapes, nationales et internationales, ont par ailleurs pu découvrir et apprécier les paysages féeriques de nos provinces du Sud. La prochaine édition prendra son départ de la même ville de